Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre du coup comment avoir l'émote Wakanda gratuitement sur Fortnite via du coup un kit de défi. Et du coup les potos, avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous ferait énormément plaisir et cela nous récompenserait un tout petit peu les potos. Merci à tous ceux qui nous aideront et du coup et aussi les potos, on a le code créateur Bokuni en boutique. Merci encore à tous ceux qui le mettront et grâce à vous on peut vous offrir des petites émotes et des cadeaux en jeu, donc ça nous fait vraiment plaisir les potos. Alors les gars, on va directement donc dans nouvelle quête et on peut voir du coup on a toutes les quêtes ici et on a une nouvelle partie. Du coup c'est les quêtes de Black Panther. Et du coup avec les quêtes de Black Panther, vous allez voir, il y a donc 4 défis dont un qui se valide une fois que vous avez fini tous les défis. Donc accomplir toutes les quêtes de Black Panther. Donc 0 sur 3 c'est normal. Donc moi j'ai déjà fait des parties aussi. Donc vous pouvez voir, donc on a un défi ici, faire des parties, donc 9 sur 10. On a survivre aux adversaires, donc 306 sur 500. Et jouer à des parties en duo ou section, 0 sur 5, voilà. Donc une fois que vous avez fait tous ces défis là, vous allez du coup remplir cette quête là et donc vous obtiendrez l'émote Wakanda. Alors pour l'obtenir gratuitement, je vous conseille 2-3 petites choses. Déjà donc jouer des parties en duo ou en section. Je vous rappelle que cette partie là ne peut pas se faire si vous lancez directement en duo ou section. Et oui c'est mal expliqué, mais voilà, même si on lance une game en duo et ou en section, cela ne compte pas dans le défi. Il suffit du coup de lancer une game avec l'un de vos amis Epic Game, et une fois que vous avez lancé une game avec l'un de vos amis, donc faites la game ou suicidez-vous directement. Il ne faut pas quitter la game, parce que si vous la quittez, elle ne se comptabilise pas. Il faut vraiment la terminer. Donc soit vous suicidez directement dans la game et vous sautez d'un pont ou un truc comme ça, soit du coup vous finissez la game. Mais il est très important de ne jamais quitter, sinon ça ne comptabilise pas sur les défis, d'accord. Donc là les gars, donc je reviens, on va faire tous les défis et une fois qu'on aura validé du coup toutes les quêtes, je vous montrerai du coup que j'ai bel et bien obtenu les emotes. Allez, let's go. Et re les potos, ça y est, on a obtenu l'émote. Mais avant ça, avant de vous montrer son aperçu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de JBC. Il fait partie de la team Fatalis et il va bientôt sortir un concept de vidéo, une map edit avec 200 € cash prize. Et oui, vous m'avez entendu, 200 € cash prize. Donc si jamais vous voulez aller voir et que vous allez vouloir tenter son petit défi, bah n'hésitez pas à aller voir, la chaîne est dans la description, let's go. Alors du coup les potos, pour l'émote, je vais vous la montrer, elle est là, donc salut du Wakanda. Et on peut voir du coup toutes les récompenses. Alors moi j'ai débloqué pas mal de choses parce que j'ai fait tous les défis avec JBC justement. Donc avec Wak aussi, donc j'ai pas mal d'XP, vous pouvez voir, j'ai débloqué aussi sac à dos, voilà. Mais ce qui est le plus important, j'ai débloqué du coup l'émote, le salut du Wakanda. Et du coup je vais vous la montrer directement, let's go. Hop. Et voilà du coup salut du Wakanda, longue vie au Wakanda, donc longue vie au roi. Donc les potos, voilà l'émote gratuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker à la chaîne YouTube. Et je vais l'équiper et je vous la montrer du coup dans le lobby. Et à la fin du coup je vais vous laisser, d'accord. Donc attention, ciao les gars.